Allez, on va se visiter une qui est le bistrong aussi, qui a été stimulée une, deux, trois fois. Première semaine, deuxième et troisième semaine d'août. Voilà. Stimulation sur léger, elle a eu les deux. Elle a eu la sarriette et le bistrong. La totale. Comme ça, on ne saura jamais ce que c'est. Elle a boosté la ponte si quelque chose l'a fait. Alors, on a. Tiens, regarde la reine. Elle est là. Je rigole. Phil. J'ai faim en fait. La faim me fait délirer. Miam miam, la belle propolis. Bien orange, hein, Thierry. Je sais pas, Thierry fait un blocage avec sa propolis parce qu'elle est marron. Il trouve qu'elle a une seule couleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et comment elle est ta propolis? Hein? On l'a pas pesée. Ah ouais, j'ai faim. Je suis passé chez le chevrier. J'ai des petits chèvres frais. On va mettre un peu de miel dessus. Ouais, si tu doutes du poids là pour l'hivernage. Bah, pèse tes cadres de miel. Tu prends un cadre de miel, tu prends ton petit peson, et puis tu vois, regarde. Tu vois, là, on a quoi? Le truc, il a bougé, bien sûr. On a 1, 2, 3 kilos de miel, là. Tu vois, quand tu as un cadre comme ça, c'est 3 kilos de miel. On va en faire un autre, qui est un peu plus plein. Oh, c'est la zone. Hein. C'est la zone. Oh, celui-là, il a l'air d'être bien plus plat. On va le prendre et on va regarder. Mais ouais, faut faire ça. C'est du stress pour l'hivernage parce que je vous entends, ça a l'air de claquer du fessier là un peu dans les chaumières. Voilà, là on est à 5 kilos, tu vois. Tu as déjà 5, 3, 8. Tu en as encore un autre derrière. Bon, enfin, j'ai pas tous les faire, mais. Un gros cadre d'Adam comme ça, full en miel. T'es pas loin de 7 kilos de miel. Hein. Si tu as deux cadres comme ça, un peu de banane au-dessus, là. Tout ira bien. Hein. Faut pas. Pas stressé, hein. Si on contrôle cet hiver avec le petit peson, on a la solution de secours. Ouais, Fred Soula, je vais en faire quelque chose de ça, mais pas qu'est-ce que tu fais toi? Déjà, tu nous as dit, tu mélanges, tu prépares tes boîtes quand elles sont neuves. Ça, c'est encore un truc, je suis trop fainéant pour le faire. Boîte neuve, je fais rien, elle s'en occupe, hein, écoute. Elles ont que ça à faire. Hein. Voilà, là, on a encore 2-3 kilos. Ah, faut pas stresser, les gars. La bête, tu as vu combien elle pèse? Elle bouffe pas 4 kilos, elle bouffe pas une entrecôte tous les midis, hein. Alors, ce bistrong, ce bisboub, ce bi. Oula, le cadre, il est. Bisboub pollen, tout est pendu. Il y a un bloc de ponte. Là. Un bloc, un bloc, un bloc. Ce cadre. Bon, il va falloir en dégager. Hein. Ah non, c'est bien.
c'est bien, puis ça continue après, on va pas. On va pas s'acharner. Hein. Bon, les visites en ce moment. Bon, on a de chance d'éclater la reine. Hein. Ouais, parce que là. On est mal hein, si on éclate. Hein. Alors, tu vois la connerie, au lieu de virer hein, petit à petit au long de l'année, au printemps, là, quand ça pond, les vieux cadres, je me retrouve encore avec des naseries qui sont en train de tomber en lambeaux. Ah, je suis pas une lumière, hein, tu peux le dire. Hein. Bref. Donc voilà, hein, on a un peu vu le poids des cadres. Là, je donne rien, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je donne? Je lui donne l'heure, c'est tout. Non, franchement, je ne sais pas ce qu'elles ont trouvé comme ressources ici dans le coin, parce que c'était vraiment pelé. Hein. Mais bon, nous étonne.